Comment tu vis tes premiers, bon, ça fait un petit moment maintenant que tu es arrivé, mais tes premiers pas, et puis surtout, voilà, ta première présence dans le groupe ici au Havre? Mes premiers moments sont, voilà, c'est agréable ici. Je suis bien et voilà, faut que je m'intègre petit à petit. J'ai été bien accueilli, tout le monde est gentil avec moi, ça se passe super bien, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Avec beaucoup d'ambition, on imagine que tu es arrivé ici. Oui, j'ai beaucoup d'ambition, c'est sûr. Maintenant, voilà, il reste plus qu'à travailler et continuer, tout simplement. Sportivement, la marche est haute. En tout cas, est-ce que tu as l'impression que la marche est haute? Oui, la marche est toujours haute comme dans chaque nouveau club, c'est comme ça, il faut s'adapter et ça prendra le temps que ça prendra. Donc je continue de travailler et je verrai ce que ça va donner après. Tu sens une différence entre le National et la Ligue 2 dans le club? Sur certaines choses, il y a de la différence. Sur certaines choses. Après, c'est sûr qu'en Ligue 2, les occasions que les attaquants auront face à nous, les défenseurs, ils vont les mettre directement, tandis qu'en National, ils peuvent les rater. Donc, ouais, il y a un peu de différence. Sinon, tu pourras briefer les copains. Si je joue, oui, voilà, je vais briefer les copains. Et si je joue pas, bah, je serai quand même à fond pour le Havre parce que je suis un joueur du HAC maintenant. Et je vais encourager mes coéquipiers et j'espère qu'on va gagner tout simplement. À quoi on doit s'attendre avec Grenoble? À quelle équipe? À quel genre de match? Bah déjà, c'est une équipe qui aime les gros matchs. Pour Grenoble, là, on est le Havre, donc on est une grosse équipe. C'est une équipe qui aime bien jouer des gros matchs comme ça. Et surtout, l'année dernière, ce qui a fait la force de Grenoble, c'est qu'à l'extérieur, je vais dire on parce que j'étais avec eux l'année dernière. On était meilleurs à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui va chercher à gagner aussi. Donc, voilà, c'est une équipe qui ne va pas nous attendre. Elle va vouloir gagner, tout simplement, pour prouver qu'elle existe aussi dans cette compétition de Ligue 2. Elle peut exister d'après toi cette saison en Ligue 2, Moi, je pense qu'elle peut exister. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Voilà, c'est des joueurs qui ont toujours joué ensemble, depuis la CFA jusqu'à aujourd'hui. Il doit y avoir deux, trois nouveaux, mais oui, elle peut exister, cette équipe. Parce qu'elle est solide défensivement aussi, donc oui, elle peut exister. Tu t'es posé la question où ça a été une évidence de venir ici parce que finalement tu montais en Ligue 2, tu pouvais jouer en Ligue 2 avec ton équipe, tes partenaires de toujours. Enfin de... Je me suis posé la question, oui, mais après, voilà, je ne regrette pas mon choix. Je suis content d'être ici. Dans la vie, comme on dit, il faut toujours relever les défis. Et là, c'est un défi pour moi et je vais montrer de quoi je suis capable, tout simplement. Quel style de joueur tu es? Quel style de joueur je Je suis? devais te vendre. Moi, je suis un joueur, j'aime bien aller au duel. Après, ouais, je suis plus un joueur qui aime aller au duel, tout simplement. Le contact, le duel. Agressif? J'étais beaucoup agressif, je pense que j'ai baissé un peu dans l'agressivité. Trop de cartons? Non, même pas pourtant, je défends proprement, je prends rarement de carton. Mais plus ouais, dans l'agressivité, moi, je suis un joueur de duel, tout simplement. Tu tacles? Pas beaucoup. À la gauche. Non, je tacle pas beaucoup. Et tu prends peu de cartons sur Peu la de saison? carton, franchement, je prends peu de carton.